Alors bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. Donc, je vais vous montrer comment réaliser des Saint-Jacques gratinés au four avec une garniture à base de poireaux, champignons et vin blanc. Alors c'est une recette que j'adorais manger quand j'étais petit, sauf que bon, je la mangeais en version industrielle, donc c'était pas terrible. Et maintenant je préfère les faire maison parce que c'est finalement très simple à faire et c'est nettement meilleur. Donc pour la garniture, je vais venir éplucher et émincer des champignons. Je vais venir aussi hacher une gousse d'ail. Donc là, vous pouvez mettre tous les ingrédients ensemble parce que tout va cuire en même temps. Et je vais prendre un poireau et je vais venir l'émincer le plus finement possible. Alors comme ça va me permettre en fait de cuire le poireau très rapidement. Et j'aurai pas besoin de mettre un couvercle pour que ça cuise. En fait, ça va cuire naturellement par évaporation de l'eau de végétation. Donc dans une poêle, je vais venir mettre une grosse noix de beurre. Et ça va me servir en fait de base pour faire une sorte de béchamel. Et vous verrez le résultat à la fin, ça fera une sauce épaisse qui sera parfaite pour les Saint-Jacques. Donc j'enrobe bien la garniture dans le beurre. Et l'idée c'est dans un premier temps de venir bien assaisonner cette garniture. Et je vais cuire ensuite pendant 4 à 5 minutes pour faire bien évaporer l'eau de cuisson. Et en fait il faut que ça commence à accrocher un petit peu au fond de la poêle. Une fois que ça a commencé à accrocher, j'ajoute la farine et je vais venir la cuire pendant 1 minute. Ça va permettre en fait de cuire la farine et de ne pas retrouver ce petit bout de farine dans la sauce à la fin. Donc là on voit pareil, j'attends que ce soit bien sec au fond de la poêle et je vais pouvoir ajouter le vin blanc. Donc ça va très bien se marier avec la Saint-Jacques. Et là c'est pareil, le vin blanc je le fais réduire à sec pour justement enlever ce goût d'alcool. Et en fait il faut que ça soit quasiment sec comme on peut le voir au fond de la poêle. Une fois que c'est bien sec, je vais ajouter le lait et donc ça va me servir à faire en fait cette béchamel. Donc avec la farine, en fait, ça va épaissir naturellement la sauce. Donc là, on a comme une béchamel en fait au poireau, aux champignons et à l'ail. Donc j'ai goûté la sauce à ce stade et il y avait un petit peu trop d'acidité à cause du vin blanc. Donc j'ai ajouté une petite pincée de sucre et j'ai rectifié un petit peu en sel parce que ça manquait de sel. Et donc là, je vais faire porter à ébullition et on voit que la sauce, quand elle a cette consistance-là, elle est parfaite. Ensuite, je vais venir prendre un plat qui va au four, je vais mettre du sel et je vais venir caler en fait les coquilles des Saint-Jacques. Et je vais venir recouvrir le fond avec la sauce. Donc là, on voit qu'elle a une belle texture, elle est parfaite. Et je vais ajouter des Saint-Jacques. Donc là, j'ai pris des Saint-Jacques congelés. Vous pouvez prendre aussi des noix de pétoncle, c'est un peu moins cher, c'est bon aussi, hein. Et donc je vais venir ensuite recouvrir les Saint-Jacques avec le restant de sauce. Alors là les Saint-Jacques en fait elles vont cuire un petit peu à l'étouffée et elles vont rester très moelleuses. Ensuite je viens recouvrir avec une bonne quantité de chapelure et je vais mettre ça au four à 210 degrés pendant 15 minutes. Alors comme j'avais essayé une recette pour 4 personnes, mais comme j'avais que 2 coquilles, j'ai fait le reste en fait dans des petits ramequins. Et ça fait un petit peu comme une cocotte, comme une cocotte de Saint-Jacques. Donc voilà, les Saint-Jacques sont bien gratinées, elles sont prêtes. Et voilà, il n'y a plus qu'à déguster. Donc vous pouvez retrouver les ingrédients sur mon site, vous avez le lien en description. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de liker la vidéo. Allez, salut !